Bonjour, je suis Mieke van Bokstel. Je travaille comme chef de clinique adjointe au service d'anatomie pathologique aux cliniques universitaires Saint-Luc. Un carcinome canalaire in situ, c'est un cancer de sein en stade précoce. Ça veut dire qu'il y a déjà des cellules tumorales, mais qui restent confinées dans les canaux de la glande mammaire. Ces cellules néoplasiques n'infiltrent pas le tissu sain autour de ces canaux. Les patientes avec un carcinome canalaire in situ ou CCIS, elles sont traitées par une opération et souvent suivi par une radiothérapie. Actuellement, on ne sait pas quelle patiente avec une lésion CCIS est à haut risque pour développer un cancer infiltrant. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas discerner les patientes à haut risque des patientes à bas risque. Donc, toutes les patientes sont traitées de façon similaire. Ça veut dire que, probablement, on surtraite un certain pourcentage de patientes à ce moment. Le but de notre projet, c'est de développer un test qui permet de distinguer les patientes à haut risque de développer un cancer infiltrant des patientes à bas risque de développer un cancer infiltrant. Et ce test peut permettre d'individualiser, de personnaliser la thérapie pour une lésion de type CCIS. Une étude scientifique, ça prend beaucoup d'argent pour l'effectuer. Grâce à l'organisation de ce cancer et aussi grâce aux donateurs, on peut continuer avec ce projet énormément important pour les patientes avec un cancer de sein en stade précoce. Merci.